Alors maintenant, place à un petit jeu mathématique. Donc on va faire quelques petites additions, c'est-à-dire que l'on va faire quelque chose plus quelque chose. C'est parti. Alors ici, j'ai le nombre 2. Et donc je compte, j'ai une banane, deux bananes, deux. Je vais écrire un petit plus. Et j'ai encore ici deux. Et ici donc deux bananes. Donc j'ai deux bananes et encore deux bananes. Deux plus deux. Ça fait combien de bananes en tout? Voyons voir. Donc on va les compter. 1, 2, 3, 4. Donc, ici, j'écris 4, 2, plus 2 égale 4. Un autre maintenant. Alors, ici, maintenant, j'ai 3 fraises. Une, deux, trois. Je vais écrire un petit plus. Et donc, maintenant, ici, j'ai encore deux fraises. Une, deux. Trois fraises, deux fraises. Donc, combien ça fait en tout? On écrit notre petit égal. 3 plus 2, ça fait 1, 1, 2, 3, 4, 5. 3 plus 2, ça nous fait 5. Donc j'écris le 5 ici. Alors, un autre exemple. Ici, j'ai 4, 1, 2, 3, 4. Et ici, j'ai 1. 1. Donc, 4 plus 1 égale, à vous, combien ça fait 4 plus 1 en tout? Qui a trouvé la réponse? Eh oui, ça fait 5. Allez, le dernier maintenant. Ici, j'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, j'ai 2. 2 tomates. Une tomate, deux tomates. Donc 5 et encore 2. Donc je vais mettre un petit plus. 5 plus 2. Ça fait combien 5 plus 2 en tout? Si on ne sait pas, on peut encore compter. 5 plus 2, qui a la réponse? Égale 7. 5 plus 2 égale 7. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour les exemples. Vous, vous pouvez continuer avec papa et maman à faire des petites additions comme ça. Et ensuite, vous avez un petit jeu sur Internet. C'est parti!